Allô, allô, Saïd, tu es en direct. On te retrouve là chez ActimIT. Saïd, comment vas-tu? Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter et nous expliquer quel est ton métier chez ActimIT? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour Mickaël. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Saïd Latkem, j'ai 26 ans. Je suis pâtissier de formation et rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de sucrerie, mais plutôt de comment je suis arrivé au métier du développement web. J'ai commencé ma reconversion à l'UT de Lens en DUT MMI. Cette formation m'a permis de découvrir pas mal d'aspects du développement pro. Ça marche. Une bonne base de connaissances. Saïd, sauf erreur, je pense que ta caméra n'est pas activée. Et donc, on t'entend bien, mais on ne te voit pas. Et je pense que nos spectateurs ont le regret de ne pas te voir, comme nous, ici en direct sur le plateau. Ah. Allez, on refait un petit point technique. On se donne 15 secondes. Et voilà, moi je te vois, c'est quand même vachement mieux comme ça. Donc tu nous disais que tu n'étais pas pâtissier chez ActimIT. Je ne le suis plus. Je ne le suis plus. Mais j'ai la chance de faire un autre métier très beau, qui est développeur. Donc, comme je disais, j'ai fait une formation à l'IUT de Lens, un DUT MMI. Ça m'a permis de découvrir le métier du développement plutôt. Ça m'a aussi donné une bonne base de connaissances et puis ensuite j'ai approfondi avec une licence pro créa web. À cette occasion, j'ai pu travailler pendant un an en alternance chez Watson Web, l'agence lilloise. Et cela m'a permis de découvrir deux frameworks, Symfony en PHP, ainsi que React en JS, sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Ça marche. Et ensuite, suite à cela, j'ai travaillé en tant que développeur full stack en freelance sur différentes plateformes en ligne, comme Malt, et avant de rejoindre ActimIT cette année. Ça marche. Je pense que tu as une petite vidéo que tu voulais nous présenter avec ActimIT. On va peut-être commencer par cette petite séquence vidéo qui présente l'entreprise dans laquelle tu évolues. Et je te retrouve là juste après. Ok, merci. Allez, on t'a retrouvé, c'est juste quelques secondes, mais qui permettent d'expliquer un peu ce que fait ActimIT et les différents domaines dans lesquels vous travaillez. Alors toi, aujourd'hui, chez ActimIT, ton métier, c'est développeur full stack. Ça veut dire quoi, full stack? Exactement. Alors, pour mettre plus de sens sur ce mot, je vais commencer par expliquer deux mots qui vont être nécessaires, donc le développement front-end et le développement back-end, en fait. Et donc, dans le développement front-end, on va retrouver les métiers comme UX designer, dont a parlé Marie, et d'intégrateur, de développeur front. Et tous ces métiers-là, en fait, ils vont interagir sur la partie utilisateur, ce avec quoi l'utilisateur va interagir donc, dans son navigateur. Et par opposition donc, au développement back, qui est invisible à l'utilisateur et qui va plutôt concerner tous les traitements qui sont faits par exemple avec la base de données ou avec une API. C'est ça, donc en fait si je résume, le front c'est ce qui est visible, c'est ce que l'utilisateur voit quand il se connecte sur un site internet, une application. Le back c'est ce qu'on voit pas, c'est la machinerie qui est derrière, c'est le moteur de la voiture en gros. Exactement. Et donc full Exactement. Stack et du coup le développeur full stack c'est un développeur qui connaît l'ensemble de ces technologies sur le bout des doigts, bien sûr, parce que c'est impossible, mais qui a une très bonne notion de l'ensemble de toutes ces technos et qui sait comment tout ça fonctionne. Donc il faut maîtriser, il faut maîtriser toute la voiture, quoi. En fait, il faut maîtriser la carrosserie et le moteur.
Exactement, C'est exactement. Et pas trop donc long de se ça, il faut former? maîtriser. Donc, il faut avoir au moins un ou deux langages de front, et puis aussi un langage et un framework en pack, pour pouvoir travailler sur un site complet de A à Z, en fait. Ça marche. Et du coup, il te faut combien d'années d'expérience pour pouvoir être un bon développeur full stack, bien autonome sur son métier? Je pense qu'au bout de 5 années, on peut prétendre à être un bon développeur full stack. Sachant qu'il n'y a pas vraiment de formation à être développeur full stack, c'est un titre qui s'acquiert avec une certaine expérience, une forme d'expertise qui permet d'être autonome sur vraiment l'ensemble du processus de création d'un site web et d'une application. D'accord, ok, je comprends. Donc en fait, il vaut mieux commencer au départ par développeur, un développeur front-end ou un développeur back-end, et ensuite, petit à petit, c'est l'expérience qui permet dans l'entreprise d'évoluer vers le métier de développeur full stack. Aujourd'hui, c'est comme ça que tu vois les choses. Exactement, ouais. Exactement. J'ai commencé moi aussi par prendre les deux bouts un à un, en maîtrisant les langages de base, hein, du front-end, l'HTML, le CSS, le JavaScript, puis ensuite React, un framework JavaScript qui permet de faire des interfaces utilisateurs poussées en fait. Et donc ensuite, on ne comprend pas trop quand on est juste développeur front, d'où viennent les données qu'on reçoit. Et où est-ce qu'on les envoie, enfin, est-ce qu'elles sont traitées, par qui, par quoi et comment. Et donc ensuite, la curiosité nous amène forcément à vouloir s'intéresser au développement back et puis à mettre les doigts dans l'engrenage et appeler quoi. D'accord. Je te pose une dernière question et puis on va faire remonter dans quelques instants tous nos témoins qui sont intervenus là, ces dernières minutes sur leur métier. Ce métier de développeur full stack, il existe dans toutes les entreprises du numérique? C'est un métier qui existe, oui, qui existe dans toutes les entreprises du numérique, mais certaines entreprises vont avoir plutôt deux pôles séparés avec des développeurs front et des développeurs back qui communiquent régulièrement et puis s'informent de leurs avancements. Et là où un développeur full stack peut apporter, on va dire, sorte de passerelle entre ces deux univers peut permettre une meilleure cohésion entre le développement front et back, sachant qu'il est familier avec toutes les technologies front et puis back. Forcément, il va pouvoir mettre, on va dire, de l'huile dans la machine et éviter des bugs ou Ça. développer une architecture qui va fonctionner meilleure Ok. manière que si ça avait été fait par un développeur sans conseil Ça préalable. permet d'avoir une vision globale sur le projet, si j'ai bien compris. Mais, Saïd, on va te mettre en pause 30 secondes, le temps de remettre un jingle, que nos intervenants remontent sur scène pour passer aux petites questions-réponses.